Celui qui a vaincu la nuit a vaincu le jour. Grande croisade du réveil, grande croisade d'évangélisation, grande croisade des guérisons miracles, grande croisade dénommée Exode. Exode qui signifie sortie. Tu es censé sortir de quelque part. Tu es censé sortir de la vie que t'impose le diable. Tu es censé sortir de la vie que t'imposent les occultistes. Tu es censé sortir de ces modes de vie que t'imposent tes ennemis. Oui, cela est possible dans cette grande croisade d'évangélisation que nous organisons. C'est vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 décembre 2014 à partir des 18h avec votre humble serviteur, l'évangéliste Odon L. Wang. Un rendez-vous sacré à ne pas manquer. Bien-aimé dans les seigneurs, un miracle est possible pour vous dans cette croisade dénommée Exode avec pour thème « Ô Éternel, vois leurs menaces ». Il est temps que l'Éternel Dieu des armées puisse pouvoir intervenir dans ta vie. Il est temps que l'avocat suprême s'élève comme étant ton défenseur afin de pouvoir transformer l'histoire de ta vie. Il ne ment pas. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Encore une fois, soyez les bienvenus sur le plateau de Casarema Télévision. Nous vous rappelons aussi que Casarema n'est pas seulement un site internet, mais plus une chaîne de télévision. Et sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qu'on appelle un... Il est classé parmi les serviteurs de Dieu de la nouvelle génération. Sa manière de travailler, sa manière de présenter les choses, sa manière d'apporter le message au peuple de Dieu, ça permet aux gens de l'appeler... homme de la nouvelle génération. Vous savez que la Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur les jeunes gens. Alors, aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau le messager Odon L. Wang. En tout cas, serviteurs, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour à votre Nathan et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas. Et alors, aujourd'hui, il va nous présenter deux choses. Il s'agit premièrement d'une conférence qui va avoir lieu, on vous donnera la date et les précisions tout à l'heure. Et puis, il va nous parler d'un CD, d'un album qui vient de sortir, que j'ai eu le temps de lire, d'écouter un petit peu, mais c'est assez inspiré. Alors, on va lui donner la parole, il va nous expliquer. Vous avez peut-être déjà acheté le CD, vous l'avez écouté, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos émotions, vos opinions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez découvert? On vous a dit tout à l'heure qu'il a sa manière à lui de présenter les choses. Par exemple, il préfère qu'on l'appelle messager. Il ne veut pas forcément d'accent sur le ministère, le prophète, l'apôtre. Il va nous expliquer pourquoi il préfère qu'on l'appelle messager. Alors, apôtre, dites-nous, qu'est-ce qui fait que vous préférez qu'on vous appelle tout simplement messager? Est-ce qu'il y a-t-il une différence si on vous appelle apôtre, prophète, pasteur? Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi vous préférez messager? Merci beaucoup pour la parole, dans l'esprit de pouvoir édifier le bien-aimé qui nous suit de partout. C'est, au fait, c'est comme l'avait dit tout à l'heure, c'est une préférence. Oui. Une préférence, c'est un choix. Et ces choix, en fait, ce n'est pas pour mettre en cause le ministère, parce que je suis fier d'être ce que je suis en termes ministériels, mais seulement parce qu'au fait, tous ceux-là qui sont ministère, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, ils sont tous messagers. Parce qu'on ne peut pas s'appeler apôtre, prophète, pasteur, docteur sans être porteur de vie ou porteur d'un message. Donc, en un mot, c'est-à-dire je préférais pouvoir m'appeler le messager, pas dans le sens de pouvoir mettre en cause le ministère des autres, mais en vue de pouvoir me sentir à l'aise dans ma peau et puis dans l'esprit de pouvoir demeurer dans la préférence. Ah, d'accord. Merci. Je crois que le téléspectateur a bien compris. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont, comme je vous ai dit tout à l'heure, leur manière de travailler. Nous avons le même Dieu, le même Seigneur, le même Sauveur, mais notre manière de marcher avec les Seigneurs et les expériences que nous avons à Dieu, ça peut faire un petit peu la différence. Alors, le messager Odon L. Wang est le titulaire, le responsable de Shiloh Ministries Chapelle de Vie. La croisade est dénommée Exode. Et pour thème, il va parler, il va traiter le thème de voir leurs menaces. Alors, ce sont des choses qu'on qualifie tout de suite de prophétiques. Alors, je vais lui donner la parole, il va nous expliquer. Dites-nous pourquoi
Il y a le sujet que vous dites, Exode. Vous savez, tout de suite, quand on parle d'Exode, à l'Église, on pense tout de suite à la marche chrétienne, à la marche du peuple de Dieu dans le désert. Et vous savez que le désert est un sujet qui tout de suite évoque les épreuves, parfois les difficultés. Et là, après, juste vous parler du thème « Vois leur menace ». Dites-nous d'abord pourquoi Exode ? Est-ce qu'il s'agit bien de ce que nous pensons ? Merci beaucoup. Exode, parce que Exode, c'est sorti, c'est la sortie, c'est sortir. Oui. Et vous savez, quand le peuple d'Israël était en esclavagisme en Égypte, ils ont, à un certain moment, ils avaient tellement souffert. La Bible dit que ces gens continuaient à invoquer les dieux dont ils ne connaissaient pas, dont ils ne maîtrisaient pas, parce qu'au fait, ils n'ont hérité que les dieux de leur père, sans pour autant qu'ils puissent pouvoir avoir la connaissance approfondie de ces dieux-là. Et j'ai toujours dit une chose dont j'aime souvent répéter, parce que beaucoup des enfants de Dieu tombent dans ces pièges-là aujourd'hui. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train d'invoquer les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Égypte, ils n'avaient reçu aucune prophétie en ce moment-là. Dans les temps anciens, oui. Mais en étant en Égypte, il n'y avait pas une prophétie qui leur certifiait qu'il y avait un Dieu qui était en train d'insister un prophète au niveau des Madians. Pendant qu'eux pleurent en Égypte, sans aucune information de savoir les intentions des dieux, cependant Dieu se révèle à Moïse dans le pays des Madians et envoie Moïse comme étant un libérateur pour qu'il aille libérer son peuple. Et cet acte, en fait, cette sortie de pouvoir quitter de l'Égypte à la terre promise, c'est ce qu'on appelle Exode. Et tout au long de leur marche, après avoir fait Exode, parce qu'au fait, c'est comme une personne qui est dans la souffrance, qui voit le Seigneur le sortir de la souffrance. Il reçoit un peu le nouveau souffle. Il s'est dit, ouf, je suis arrivé. Mais vous vous rendez compte que malgré la mer rouge que vous traversez, vous vous croisez avec le désert. Et encore dans les déserts, vous rentrez dans une autre école où il y a les Amalécites, où il y a le Ramassi, où il y a Amalek, où il y a beaucoup de combats qui s'élèvent en vue de pouvoir vous exterminer. Mais malgré cela, au fait, Dieu se met encore en position de l'avocat de son peuple afin de pouvoir défendre la vision à laquelle, parce qu'il dit à Moïse, il dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer dans le désert. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que Dieu se réfère au désert. Cependant, la destination finale était la terre promise. Donc, en quelque sorte, les enfants d'Israël, étant dans les déserts, étaient une école préméditée des dieux. Pas dans le but de pouvoir le faire souffrir, mais dans le but de pouvoir leur faire arriver quelque part. Et ce qui fait que quand, à chaque fois, Israël était attaqué, il faisait toujours recours au Dieu de l'Alliance de leur père pour qu'ils puissent pouvoir venir à leur secours et qu'ils puissent pouvoir défendre leur cause. Et nous disons Exode parce que nous sommes arrivés au temps où le Seigneur nous sortira de quelque part. Mais en étant sortis de quelque part, il y en a ceux qui sont sortis il y a longtemps, il y en a ceux qui vont sortir le même jour, il y en a ceux qui sont en cours de sortie. Mais en même temps, nous avons des Amalek, nous avons des gens, des esprits qui ne nous laissent pas tranquilles et qui ne font que nous combattre. Et ces esprits utilisent tous les moyens possibles afin de pouvoir nous empêcher d'être dans l'atmosphère d'une paix paisible, d'une paix du cœur, en vue de pouvoir adorer Dieu dans la concentration. Raison pour laquelle le diable nous caille de croc en jambe, gauche à droite, et il utilise des hommes, des femmes, en vue de pouvoir nous embêter, parce que le diable sait très bien que quand un enfant de Dieu n'est pas dans la paix, il ne pourra pas se mettre à genoux, prier Dieu dans la concentration. Et c'est pour cela qu'il nous prive la concentration, il nous prive cet aspect des choses pour que nous ne puissions pas rentrer dans la profondeur de choses. Et quand nous disons Exode, parce que nous allons sortir, parce que nous devons sortir, parce qu'il y en a ceux qui sont déjà sortis, mais que les menaces qui sont autour de nous, comme dit le livre de Psaume chapitre 2, pourquoi c'est tumulte parmi les nations? La seule raison, c'est que parce que nous sommes des astres et parce que nous brillons, parce que nous avons des promesses qui font fâcher, ce qui fait que nous devons toujours être retournés vers le consommateur de notre foi, celui qui est capable de pouvoir nous défendre pour pouvoir défendre la cause de notre appel et de notre destinée. Ah, en tout cas, l'explication, vous avez entendu. Voilà pourquoi il a intitulé Exode. Et ensuite vient le thème même du message. Voilà. Vous avez dit, je cite, « Vois leur menace ». Qui voit quoi? Quelle menace? Voilà.
Merci beaucoup. Je crois que c'est dimanche, à l'église, j'ai parlé sur la guerre des étoiles. Nous allons voir, par exemple, Jésus qui naît sur une crèche. Dieu permet à ce que le jour où Jésus naît puisse être une fête où il n'y aura pas possibilité de pouvoir avoir des hôtelleries ou avoir des CHI qui pouvaient être ouverts ou des maternités pour que le roi des gloires puisse pouvoir naître. Mais Dieu permet que ce jour-là, Jésus puisse naître sur une crèche. Est-ce c'est une humiliation? Est-ce qu'il fallait chasser un démon de pauvreté? Ou bien il fallait chasser un démon de l'humiliation? Je ne pense pas. Un enfant de Dieu qui rentre dans l'école de Dieu, qui marche dans la sanctification ainsi que dans la sainteté, toutes les difficultés qui arrivent au devant de sa vie, il doit avoir le discernement de pouvoir savoir. Est-ce ça vient parce que j'ai péché? Si j'ai péché, la voie de la sortie, c'est la repentance. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et si je comprends que c'est les démons, la Bible est claire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ainsi, rien ne pourra vous nuire. Mais si je me rends compte que dans ces trois aspects, il n'y a ni l'un, il n'y a ni l'autre, donc en quelque chose, je dois comprendre que c'est l'école de Dieu. Et quand c'est l'école de Dieu, c'est-à-dire je ne me réfère pas à ceux qui me combattent, je ne me réfère pas à mes ennemis, mais je me réfère à celui qui est le consommateur de ma foi. Oui. C'est pour ça que vous allez voir que même dans les Actes des Apôtres, quand l'Église fit dans la persécution, la Bible dit que les apôtres ont élevé le voix. Ils ont dit, Seigneur, vois leur menace. Parce qu'ils ne nous menacent pas parce que pour avoir sorti avec des femmes d'autrui. Ils ne nous menacent pas pour avoir apporté le trouble parmi les nations. Mais ils nous menacent pour la cause de la mission de cette porteur de la bonne nouvelle que tu nous as accordée. C'est pour cela, comme c'est à cause de l'évangile que nous sommes persécutés, comme c'est à cause de l'évangile que nous sommes poursuivis, lève-toi, vois leur menace et en quelque sorte pour dire... Est-ce que pouvez-vous vous charger un peu de ces gens-là? Pouvez-vous vous charger un peu de ces esprits? Parce que c'est un esprit pharisianique qui a commencé depuis le commencement, qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous voyons les serpents anciens qui commencent par mettre en doute ce que Dieu a dit. Quand il dit à la femme, a-t-il réellement dit? Et parce qu'il sait que quand vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Or, la femme était déjà comme Dieu dans les jardins d'Éden. Donc, il n'avait plus besoin de devenir comme Dieu, encore comme Dieu. Parce que Dieu lui a donné le veto ou le pouvoir de procréer avec lui. Preuve en est que c'est lui qui a, c'est l'homme qui a donné les noms des animaux. Donc, en quelque sorte, l'homme était déjà dans la divinité. Et le diable, en vue de pouvoir menacer notre relation avec le Seigneur, menacer notre identité, il nous pousse loin de Dieu pour qu'ensuite qu'il puisse pouvoir dominer sur nous. Mais les disciples ont compris cela. Ils ont dit, Seigneur, vois leur menace. Et nous, dans cette croisade, nous allons élever nos voix pour dire, il y a quelqu'un qui nous suit par exemple, qui se retrouve dans des situations où il se pose toujours des questions, pourquoi seulement moi? C'est pas parce qu'il insulte les gens, c'est pas parce qu'il est arrogant, c'est pas parce qu'il est orgueilleux, mais c'est tout simplement parce qu'il est porteur de vie. C'est tout simplement parce que c'est un astre qui brille. Et parce qu'il brille, il y a la reconnaissance des mages qui viennent pour reconnaître la brillance ou la luminosité de l'étoile, mais il y a aussi Hérode qui ne vient pas à vue de pouvoir reconnaître la majesté de l'étoile, mais il vient en vue de pouvoir exterminer l'étoile. Alors, contre les Hérodes, nous disons, Seigneur, vois leur menace. Et le Dieu qui défend notre cause, il est celui qui marche avec nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ici, je m'aurais dit, à travers cela, à une personne que je suis, qui est persécutée pour la cause de Dieu, pour la cause juste à comprendre qu'il n'est pas seul. Il a un avocat auprès du Père qui défend sa cause. Et même le Saint-Esprit, dans sa dispensation, il vient comme étant le paraclétos. Jésus a dit, quand on vous drainera devant des cours et tribunaux, ne vous dérangez pas de ce que vous direz. Moi, l'Esprit parlera à votre place. Donc voilà un peu l'orientation de cette croisade. En quelque sorte aussi, en même temps, une croisade de prière. Parce qu'après avoir écouté la parole qui nous illumine par le principe de Dieu, nous allons passer des temps forts. C'est-à-dire une heure, ça sera une heure de fortes prières. Et une heure, ça sera une heure de la connaissance de la parole de Dieu qui doit nous ramener justement à une liberté et à une délivrance complète. En tout cas, merci, messager Odon Elwanga. Donc, on va vous rappeler, chers téléspectateurs, que cette conférence aura lieu à l'adresse 3 route de Corbeil, 91 230 à Montgeron. Et pour l'heure... Ça sera vendredi, ça commence de 18h30 à 20h30. Oui. Et puis samedi, ça commence de 18h juste
à 20h juste. Et puis, dimanche, nous commençons de 17h juste à 19h45. Ok. Alors, si vous voulez plus de précisions concernant la conférence de messagers aux dons, le numéro s'affiche sur le bas de l'écran. Vous pouvez directement l'appeler ou appeler quelqu'un un responsable qui peut vous donner plus de précisions concernant la journée de puissance qui est organisée à Shiloh Ministry Chapelle de Vie. Alors, dites-nous, messagers, sur le CD, je lis ce que vous avez écrit à la fin, comment votre manière de remercier le Seigneur, vous parlez de l'Alliance et vous travaillez beaucoup sur la restauration, je pourrais dire. Vous travaillez dans la doctrine de la restauration. Vous avez souligné doctrine de la restauration. Comment vous expliquez la doctrine de restauration? Bon, déjà, il y a un problème par rapport au mot doctrine, oui, surtout dans ma communauté. Quand on parle de doctrine, ça devient un mot trop tabou et ça complique beaucoup de gens. En fait, dans le mot doctrine, nous voyons tout simplement le fondement, en fait. La doctrine, c'est le fond, c'est le fondement, c'est l'orientation exacte de ce que vous confessez. Ce sont le principe de base de ce que j'ai ou de ce que je porte comme croyance. Et quand je parle de la restauration, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait la base de la restauration. On ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a pas été détruit. On ne peut pas réformer quelque chose qui n'a pas été déformé. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui suis le réformateur, mais c'est le message que j'apporte qui nous réforme et qui nous oriente vers la pensée ou l'idéal même de Dieu. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, par exemple, dans le livre de 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, en quelque sorte, si nous voulons rentrer dans le principe de la parole de Dieu, nous devons faire l'inverse ou renverser le verset ou le texte. On commence par « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » On commence avec le mot « prospérité ». Mais pour qu'on atteigne cette prospérité, nous devons commencer par la fin. « Comme prospère l'état de ton âme. » Or, l'âme ne peut prospérer que par la parole pure de Dieu. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je l'ai dit et je ne cesse de le dire, l'homme est le résultat de ce qu'il entend. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est vaurien, il est vaurien par rapport à quoi? Il est vaurien par rapport à ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire il a une tête vide. C'est-à-dire, il n'a pas une connaissance qui fait de lui une personne importante. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il le dit devant qui? Il ne le dit pas devant des incirconcis. Il le dit devant des personnes circoncis, devant des personnes instruites dans la société, qui étaient des docteurs de loi, qui étaient des docteurs de beaucoup de choses. Mais il voulait tout simplement leur dire que la connaissance que vous avez, elle se limite au niveau de ces mondes, mais la connaissance que moi je vous apporte apportera le réveil en commençant dans votre être intérieur et qui pourra en fin de compte s'exporter à votre extérieur. Et vous allez vous rendre compte que même quand Jésus était en train de parler, il ne s'adressait jamais au physique des gens. Il ne s'adressait jamais aux apparences des gens. Quand les pharisiens viennent se faire baptiser auprès des gens, ils les traitent des races des vipères. Et il en suit pour dire, tombeau blanchi, qui vous a dit de fuir la colère à venir? C'est-à-dire, il ne lisait pas les apparences que donnaient ces gens, mais il lisait l'intérieur. Oui. Donc, quand on parle de la restauration, la restauration ne se fait pas au niveau de la forme. La forme n'est que la conséquence de ce qui a été déjà fait à l'intérieur. Or, la seule chose qui peut pouvoir travailler notre être intérieur, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui, avec tous les frappeurs qui ont poussé comme des champignons au jour d'aujourd'hui, dans l'apostolat, dans le prophétique, dans beaucoup de choses, ils ont fait des adeptes, des fidèles comme étant des amoureux de tout ce qui frappe, les amoureux de tout ce qui bouge, les amoureux de tout ce qui truc, ce qui n'est pas mauvais dans la suite ou dans la conséquence de la parole qui est déjà prêchée. Oui, là, je crois que vous parlez plus des signes. Des signes que, là, je pense que quand vous parlez de ce qui frappe, on voit plus les signes que ces gens apportent dans leur message, tout et tout. Mais ça m'interpelle puisque vous travaillez dans la... On parle de la doctrine de la restauration. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques signes
pour qu'on sache plus ou moins, parce que vous savez, le Seigneur nous utilise avec des signes. Voilà. Quelle est votre branche? Qu'est-ce que, en tant qu'arbre que le Seigneur a planté, qu'est-ce que vous donnez comme fruit, je veux dire, au niveau de la restauration? Est-ce que vous avez des points précis pour dire au peuple de Dieu que voilà, par exemple, moi, le Seigneur me conduise de telle ou telle manière? Parce que si vous êtes quelqu'un de, on vous qualifie de la nouvelle génération, ça veut dire qu'il y a un truc nouveau que vous apportez. Déjà, j'aspire d'abord à l'intégralité du changement d'une personne qui a croisé l'évangile de la croix. Jésus dit que l'évangile de la croix ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a une différence entre les spectacles et la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le miracle mensonger, où la Bible fait mention dans les livres de Matthieu, et Jésus lui-même parle ou fait mention en disant même que dans les derniers temps, il y aura des gens qui pourront être à mesure même de faire descendre le feu du ciel, et cela tombera. Ce n'est pas pour dire que je mets en cause les vrais ou le véritable signe, non. C'est-à-dire les vrais signes qu'on voit dans d'une personne restaurée, en premier lieu, c'est d'abord une personne qui subit un changement intégral de sa vie. La Bible dit que Christ étant la parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire quand je reçois la parole, cette parole commence par travailler mon être intérieur pour faire de moi une nouvelle créature, selon qu'il est écrit dans le livre des 1 Thessaloniciens. Vous comprenez? La Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, dans la marche de la restauration, l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de la croix ne se limite pas seulement à ces niveaux. C'est-à-dire, il y a des besoins que nous avons en étant dans cette marche. Voilà. Entre autres, quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, cela ne suffisait pas. Donc, quand il fallait que la manne puisse pouvoir sortir, les signes de manne s'est manifesté. Quand il fallait que le Dieu d'Israël se révèle comme étant Yahweh Sabaoth au milieu de son peuple, il s'est révélé pour pouvoir défendre la cause de son peuple. Nous le voyons dans le livre des deux chroniques quand Israël fit attaquer par les alliés de ses ennemis qui ont fait une coalition que nous voyons. La Bible dit que Dieu s'est manifesté quand Josaphat s'est levé pour dire « Confiez-vous en l'Éternel ». Quand il a fait passer les champs devant en portant les ornements sacrés, le Seigneur s'est manifesté en créant la confusion aux côtés des ennemis. Donc bref, pour dire que dans la restauration, quand le Seigneur vient dans la vie d'une personne, c'est-à-dire il restaure tous les domaines. Il ne commence pas par l'extérieur pour pouvoir aller en bas. Non, il commence par le fond, par l'intérieur, pour pouvoir sortir dehors. Parce que ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons. Mais l'Éternel étant une personne qui fait des choses au-delà de notre entendement, c'est-à-dire il a toujours une certaine manière de faire qui étonne et qui font que quand nous sommes déjà dedans, nous puissions voir les signes qui vont suivre. Les signes qui vont suivre, c'est-à-dire, entre autres, les changements de nos vies. En dehors du changement de nos vies, nous pouvons être guéris de nos maladies, nous pouvons voir les aveugles voir le jour, parce que ça fait partie des éléments. C'est pour ça que vous allez voir, pour terminer là, même quand Jean met en doute le message que lui-même avait donné des gens sur Jésus, il dit, allez lui demander si c'est lui qui devait venir. Jésus a détaillé le point. Il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, le muet parle, le sourd entend et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Mais la bonne nouvelle du royaume qui est annoncée est ici, dit, c'est comme j'ai dit, il faut toujours faire l'inverse. Donc, la bonne nouvelle du royaume qui est prêchée engendre les signes, prodiges et miracles dont je crois, dont je vis et dont j'expérimente dans mon ministère. Ok. Bon, alors, comme il ne reste que quelques minutes, j'ai encore deux questions. Et je trouve que ça attire aussi la curiosité de peuple de Dieu. Premièrement, on est toujours sur ce chapitre de la restauration. Voilà. Doctrine de la restauration, le peuple a compris. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'Église est malade. Mm-hmm. On dit que l'Église, c'est l'épouse. On parle de l'Église comme étant la belle-mère de Pierre. Qui avait la fièvre, la Bible déclare que Jésus la toucha. Et la fièvre la quitta. Aujourd'hui, l'Église a un réel problème. Et effectivement, l'Église a besoin de la restauration. Alors, selon vous, quels sont les points que vous connaissez, que vous avez soulevés et dont vous êtes conscient que votre appel, ce que le Seigneur vous a demandé de faire, c'est toucher ce point précis? Non, mais le point, c'est simple. Moi, je touche le point de la valeur que nous devons à la connaissance. La valeur que nous devons retourner à
la doctrine. Mmh. Et quelle est cette doctrine qui est le plein évangile, c'est-à-dire le fondement de la parole de Dieu. Jésus a dit, le sage sur les rocs a bâti sa maison. Les vents ont soufflé, la tempête est venue, la maison ne s'est pas écroulée. Mais quand le fou est venu, il a bâti sa maison sur les sables. Et la tempête, quand elle est venue, la maison ne pouvait pas résister parce qu'elle n'était pas bâtie sur le roc. J'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent que leur foi puisse être bâtie sur Jésus. Et Jésus, comme étant la parole, comme dit la Bible, au commencement était la parole parce que c'est elle qui a tout créé. Rien de ce qui n'existe n'a existé sans elle. Mmh. Tout ce que nous pouvons avoir au-delà de la parole n'est sans que la conséquence d'une parole reçue. Mmh. Parce que j'ai toujours dit, au jour d'aujourd'hui par exemple, vous allez consulter votre médecin. Votre médecin vous regarde droit aux yeux. Il vous dit, madame, par rapport au diagnostic que je viens d'avoir, vous êtes séropositif. Psychologiquement, cette personne devient plus gravement malade encore. Mmh. Quand on reçoit l'information, dernièrement j'ai suivi un débat qui s'est passé sur la radio où il y a un débat qui s'est fait entre, parce qu'il y avait les gens, ceux qui sont chargés de la promotion ou de la comment est-ce qu'on appelle, de la campagne sur les cancers, sur les dépistages des cancers. Mmh. Il y avait d'autres qui étaient pour, il y avait d'autres qui étaient contre que les gens puissent pouvoir au préalable savoir de quoi est-ce qu'ils souffrent. Mmh. Il y a d'autres qui démontrent que non, si nous sommes déjà au courant d'être malade, dans les cas préventifs, oui. Mais il y a d'autres personnes qui ont démontré psychologiquement que ça rend plus malade que quand on est ignorant de ce qu'on est. Mmh. Ça reste entre guillemets, deux points d'interrogation. C'est à chacun de nous de pouvoir faire le choix de ce qu'il veut. Oui. Vous comprenez? Alors maintenant, nous étant dans ces domaines où nous sommes, c'est-à-dire quand je suis à la connaissance, cette connaissance me permet de pouvoir m'ouvrir. Parce que même aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, les gens pensent que la délivrance, c'est quand on crie, c'est quand on tombe. Non, ça doit être les conséquences de la révélation de sa personne qu'on reçoit. D'accord. Quand on est conscient de son identité, c'est cette conscience qui nous met en valeur et qui nous met dans une position de force pour pouvoir réclamer ce que nous sommes. Mmh. Parce que la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dans son temps qu'il est dans l'immaturité, et quand on est immature, on est sous tutelle. Mmh. Mais quand on reçoit la connaissance et on grandit, c'est-à-dire on a la connaissance de ce qu'on est, on connaît ses droits et ses valeurs et ses devoirs, c'est alors qu'on peut réclamer ses droits et puis savoir exercer son pouvoir. D'accord. Donc, à travers cela, je pense que la suite, les gens le comprendront et nous allons plus sentir dans la profondeur. Et je vous assure que toutes les personnes qui viennent dans nos activités, ils ne sortent pas les mêmes personnes. Ok, en tout cas, Dieu soit loué. Alors, un dernier mot en quelques secondes, en une minute. Sur votre CD, les clips est déjà disponible. Sur YouTube déjà. Sur YouTube. Ça, c'est les CD pour toutes personnes qui nous suivent. Sur YouTube, si vous frappez seulement Odon Elwanga, il y a deux clips que nous avons mis et puis un playback qui sont déjà en train de passer de votre album au cabinet de l'avocat suprême. Oui. Un album qui édifie beaucoup de gens. Et je bénis les seigneurs pour le témoignage que nous recevons de partout. Oui. N'hésitez pas, vous qui êtes loin, qui habitez je ne sais pas moi où, que vous avez besoin de commander les CD. Et puis bon, même sur YouSound, si vous voulez acheter une line, vous pouvez frapper YouSound. Vous serez en contact avec nos opérateurs. Vous pourrez l'avoir pour vous qui êtes trop Internet. Et pour ceux qui voudront le CD ou le truc, qu'ils appellent et puis ils pourront vraiment en avoir. Et pourquoi au cabinet de l'avocat en quelques secondes? Pourquoi ce thème au cabinet de l'avocat suprême? Je l'ai défini dans ma chanson parce que nous sommes dans un monde où la loi du plus fort reste la meilleure, qui ne changera pas. Nous sommes dans un monde où la majorité des faibles est dominée par la minorité des forts. Nous sommes dans un monde où si vous êtes en bas, ne pensez jamais que ceux qui sont en haut voudraient que vous puissiez les rejoindre. Donc d'où, pour tous ces faibles, comme dit la parole de Dieu, nous n'avons pas où regarder d'autre part que de pouvoir faire recours à notre avocat qui est Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, merci apôtre Odon Elwanga. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette émission. Nous vous rappelons quelques albums qui sont déjà disponibles également dans les bacs. Il y a premièrement l'album de Julia Mboko qui porte le titre « La crèche valorisée » qui est déjà disponible. Il y a le frère Didier Loukalé avec thème « De l'autre bord ». Il y a Laetitia Céleste « C'est encore possible ».
Et puis, nous avons une conférence, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec le messager Odon Elwanga, le 19 décembre, avec comme thème « Vois leur menace » de 18h à 20h30. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions pour votre fidélité, chers téléspectateurs. En tout cas, nous remercions l'équipe de Casarema Télévision, notre visionnaire Blaise Manzambi, Maman Lise, Samuel Quadio, Lise Manzambi, Michel Ange. Et nous nous efforçons tous les jours de vous apporter de messages pour votre édification dans le Seigneur. N'hésitez pas à nous recontacter, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous avez quelque chose à partager avec nous ou un témoignage concernant nos invités, eh bien n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Nous vous remercions. Restez branchés sur Casarema Télévision. À très bientôt. Au revoir. Merci. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Tu es que nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Tu as dit devant des cours et tribunaux. Les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Shammah, Shammah. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Shammah, oh, je vous enverrai le paracletos, l'esprit de vie. L'esprit majeur. C'est lui qui parlera à votre place. Shammah, Shammah. Il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu dans m'aimes. Ma vie, Shammah, oh, je t'appelle Shammah. Le Dieu de mon alliance. Shammah, oh, oh, oh. Shammah. Même dans mes accusations. Shammah, il est présent. Shammah, yeah. Shammah, oh, Shammah. Oh Rapha. Éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'assure. Shammah. Par tes mères tissues. Et je suis guéri. Dans ma maladie. Même quand le diable vient me t'intimider. Je suis cuit. Par tes maladies. Shammah, oh, je mérite rassurer. Il et j'aimerais que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie de promesses. Dans ma vie, Jésus. Et parce qu'il est présent. Je n'ai que toi. Dans ta vie. La guérison est aussi avec toi. Alléluia. Ma guérison. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi,
Je rappellerai la promesse de la guérison divine et de la santé divine. Un malade qui me suit, qui m'entend, j'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre qu'un homme qui, par ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie des promesses qui rentrent en vigueur de le premier jour qu'il a dit: Père, tout est accompli. L'Éternel, ma bannière, Shama, Shama. Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière, Shama. Oh. L'Éternel est ma bannière. Il est ma bannière. Quand les flèches viendront du nord, du sud-est, d'ouest. Il est ma bannière. Comme les damas, j'ai pas d'autre appui que toi. Il est mon appui. Oh ya ya. Il est mon appui. Les damas a pour appui le rocher. Il est ma chama. J'aimerais te dire ce soir, Adonai. J'aimerais te dire en ce jour, Messie, ma bannière, tu es ma bannière. Je n'ai peur de rien. Et je dirai comme David, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel, il pourvoit dans mes besoins. Shama. Alléluia. Quand le diable vient m'intimider avec des petites difficultés, l'Éternel qui pourvoit pour que je perde espérance et espoir, alors ta parole m'assure que tu es Jéhovah Jireh. Oh, alléluia. Je veux que tu sois glorifié dans ma vie parce que tu es présent. Je te célèbre comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Même à midi, je n'ai pas peur. Même à l'heure, voire même le soir, je n'ai pas peur. Il détient le mystère. Car il est le Dieu du mystère de la 25e heure. L'impossible est possible. Là où tout le monde n'arrive plus à avoir un issue. L'essentiel des plus. Le seul qui nous étonne, Adonai. C'est pour ça que je te reconnais comme étant Yahweh Rapha et Yahweh Shammah. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Shiloh. Alléluia. Oh Rao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changée. C'est-à-dire que Tchad, Azariao. Maroc, Azariao. Nigeria, Azariao. Au niveau que j'écoute, Afrique, Afrique, Afrique du Sud, Azariao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, aux peuples du monde entier, de rentrer dans Orao. Condensé africain. Congo Kutu Kolobate, démission et ton américain. Olingini, RTGA, Azariao. Olingini. Avec cette box, retrouvez Kazarima à la télévision.